Ça c'est des choses ça. Ouais. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis chargé d'ouvrir ce conseil d'installation du nouveau conseil municipal. Alors, avant de rentrer dans les différents points, donc je viens d'apprendre, mais vous le savez, le décès de Chantal Rimbaud, hein, qui était conseillère avec nous, qui a été conseillère depuis un certain nombre d'années. Donc, je pense qu'on peut avoir une pensée particulière pour sa famille, ses proches. Et je vous propose de faire une minute de silence. Donc, je vous propose de vous lever. Bon, je vous remercie. Oui, alors, en tant que chargé d'ouverture de cette séance, il me revient de proclamer les résultats et de plus les nombres de sièges. De procéder à la lecture des noms des élus hein, qui vont désormais siéger au conseil municipal. Rassurez-vous, les résultats sont toujours les mêmes. Donc, je suis obligé, c'est comme ça, hein, de rappeler les résultats du premier tour et puis ceux du deuxième tour. Premier tour, donc, qui a eu lieu le 9 janvier. Électeurs inscrits, 4476. Pourcentage de votants, 45,51. Bulletin nul, 15. Bulletin blanc, 30. Exprimé, 1992. Pourcentage exprimé, 97,79%. Les résultats. Donc, liste Ensemble Muret-Rignier, 31,98%. Liste Muret-Rignier en acte, 35,44%. Et liste Muret-Rignier au cœur, 32,58%. Pour le 16 janvier, électeurs inscrits, 4477, votants 2128, pourcentage de votants 47,53, bulletin nul 16, bulletin blanc 22, exprimé 2090, pourcentage d'exprimé 98,21%. Les résultats, liste ensemble pour Muret-Rignier 27,42%, liste Muret-Rignier en acte 38,23% et liste Muret-Rignier au cœur 34,35%. Donc voilà pour ces élections. Concernant donc lecture de la liste de l'ensemble des élus, sachant qu'il y a des conseillers municipaux et il y en aura trois parmi vous qui seront conseillers aussi communautaires. Donc je vais le rappeler. Donc, bon, je commence par le nom ou le prénom. Bon, dans la liste, ils ont mis le nom et le prénom, hein, je vais dans ce sens. Foyer Jérôme, qui sera aussi donc conseiller communautaire. Cailleux Christelle, qui sera aussi conseiller communautaire. Kévo Laurent,
Poulaillon Karine, Berland Fabrice, Euréal Legrand. Oui, Caroline, Euréal, oui, Legrand Caroline, pardon. J'étais chargé de ne pas faire l'erreur, mais je... J'avais pourtant mis, allez où Ah bon, bon bah alors avec mes... Martin Philippe, Gagné Claire, Coquereau Franck, Joignon Laurence. Oui, Martin Philippe sera, pardon, conseiller communautaire. Donc, Langlade Xavier, Périgaud Marie, Santo Jean-Claude, Giblet Laurence, Gagné Antoine, Le Gall Françoise, Fleury Christophe, Anton Camille, Capi Emmanuel, Rousselot Cassan Anne-Noël. Voilà pour la liste de murs en acte. Pour la liste de murs au cœur, donc Ginesté Odile, Guégan Yann, Bazanté Delphine, Péché Jean, Clès Agnès, Favry Brigitte, pardon. La liste mur ensemble. Favry Brigitte, Martin Michael, Pasquier Marise et Veto Fabien. Voilà, je pense avoir nommé tout le monde. Hein, il y a deux. Il y en a deux qui ne sont pas là, qui sont absents, mais. Voilà. Alors, pour suivre mon ordre du jour, je vais vous donner quelques petits mots avant de donner la parole à. De nommer la secrétaire de séance et de donner la parole au. De passer la présidence qui reviendra à l'élu le plus âgé. Bon. On va dire le plus sage. C'est ça. Oui. C'est donc un nouveau mandat qui s'ouvre pour une période de 4 ans avec un renouvellement important de l'Assemblée municipale. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont œuvré pour la commune depuis mars 2020 et qui ne sont plus dans cette Assemblée. Merci pour la disponibilité et l'engagement que vous saurez mettre en œuvre pour le bien-être de la commune au service de tous et du bien commun. Ces élections doivent nous rappeler deux choses essentielles dans le contexte actuel. On n'est pas élu pour soi, mais pour les autres, pour une vision collective et partagée de l'action publique. En tant qu'élu, l'on appartient à une assemblée qui doit être respectée et pour laquelle on doit engagement, loyauté et fidélité. La démocratie, la vie communale ne peuvent être prises en otage car elles appartiennent d'abord et avant tout à ceux et à celles qui nous ont élus. À l'issue de ces élections, les Hérimurois ont montré leur attachement à ces valeurs et leur volonté qu'elles soient préservées dans notre vie communale. Depuis 2008, ce sont ces valeurs qui m'ont toujours animé et qui ont fondé mon engagement public. Je sais qu'avec cette nouvelle Assemblée et avec mon successeur, ces valeurs guideront notre action municipale. C'est donc avec beaucoup d'espoir que je quitte ma fonction de maire pour que notre commune retrouve toute la sérénité dont elle a besoin pour rassembler et conduire ses projets au service de tous. Je vous remercie. Alors maintenant, je nomme la secrétaire de séance, mais il me semble que c'est une secrétaire. Et là, c'est voilà. Donc, il est là. Je connais un peu mieux maintenant. Hein. Bon. Voilà, donc, vous serez secrétaire de séance. Et le plus âgé, Jean Cosanto, que je connais un peu quand même, parce qu'on a, on s'est côtoyé pas mal. Donc, tu prends la présidence de cette assemblée. Et comme le veut le règlement, je vous quitte. Donc, bonne continuation. Pour élire vos maires, vos adjoints. Voilà. Merci. Merci, monsieur le maire. On rappelle encore le rapport de ce maire.
Bien, ben, bonsoir à toutes et à tous, chers collègues. Comme l'a dit Monsieur le maire, conformément à la loi, article L 2122, alinéa 4 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée de droit par le plus âgé des membres du conseil municipal. On dit que c'est le privilège de l'âge, privilège, je ne sais pas. Mais c'est pour moi surtout un honneur d'assurer cette fonction, même si elle est éphémère. Pour commencer, je dois vous informer ou vous rappeler les incompatibilités de la fonction de maire. Comme je suis un peu âgé, j'ai grossi un peu les articles. Donc, lecture de l'article L 2122, alinéa 4 du Code général des collectivités locales. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la contestation. L'incompatibilité prend en effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Je vais vous lire le deuxième article, parce qu'il paraît que c'est obligatoire. Lecture de l'article L 2122, alinéa 5 du Code général des collectivités territoriales. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions. Dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et au chef des services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. C'était d'ailleurs mon cas puisque j'étais conseiller, simple conseiller pendant 19 ans et je ne pouvais pas assurer le poste ni d'adjoint ni de maire dans le département. À part cet aparté, je voulais... Alors, dernier alinéa, dernier article, j'en aurais terminé avec la lecture. Lecture de l'article L 2122, alinéa 7 du Code général des collectivités territoriales. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Et en cas d'égalité de suffrage, là c'est compliqué, le plus âgé, une fois encore, est élu maire. Ben non, je peux pas. Donc après ces lectures, maintenant, eh bien, nous allons, si vous voulez bien, si vous ne voulez pas procéder au vote du maire. Alors, est-ce qu'il y a des candidats? Monsieur Jérôme Foyer, seul candidat. Tout à fait, oui. Alors, donc, il faut nommer deux assesseurs, qui est volontaire. Bien, donc chaque conseiller à l'appel de son nom viendra déposer son bulletin de vote dans l'urne. Alors je ne sais pas comment on va procéder là, madame la directrice. On peut la laisser là-bas.
je vais vous appeler Monsieur Foyer Jérôme. Ça va faire du sport. Ouais. Madame Cailleux-Christel. Madame, Monsieur Kévou Laurent, Poulaillon, Karine. Monsieur Berland, Fabrice. Alors, que je ne fasse pas l'erreur, Madame Legrand, Caroline. Monsieur Martin Philippe. Madame Gany Claire. Monsieur Cocro Franck peut se préparer. Madame Joignon Laurence qui donne pouvoir à Philippe Martin. Il aura fait deux fois la route. Monsieur Langade Xavier. Madame Périgaud-Marie. Monsieur Santo Jean-Claude.
Monsieur Gagné-Antoine, représenté par Madame Gagné-Claire. Il va faire deux fois la route également. Le Gall, Françoise. Monsieur Fleury Christophe. Ah, les chemins étaient étroits. Monsieur, pardon, Madame Anton Camille. Monsieur Capi Emmanuel. Madame Rousselot Andoel. Madame Ginesté Odile. Monsieur Guégan Yann. Courtoisie oblige. Madame Bazanté Delphine. Monsieur Péché Jean. Madame Claes Agnès. Ils ont de la chance, ils sont les plus mal vivants. Madame Favry Brigitte. Monsieur Martin Michael. Madame Pasquier-Marise. Et Monsieur Veto qui se préparait. Voilà donc les 29 conseillers ont voté. Alors maintenant nous allons procéder au dépouillement. Pardon ? Deux assesseurs, oui. Qui veulent bien se rapprocher de Madame la directrice. Thank you.
nous en avons bien 29 bulletins. Et tous portent le nom de M. Jérôme Foyer, qui est donc élu à l'unanimité. Donc, M. Foyer, élu maire à l'unanimité, j'ai l'honneur et le plaisir de lui remettre l'écharpe. Eh bien, merci. D'abord, merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude. Donc je vais prendre le temps de vous dire quelques mots. Merci pour cette unanimité. C'est un signe, je pense. Enfin, ça fait très plaisir de voir que tout le monde a effectivement choisi de m'élire maire ce soir. Je rappelle tout de même que cette élection de maire, elle est d'abord partagée avec l'ensemble de mes colistiers qui sont ici autour ce soir et élus. Elle est donc effectivement partagée avec l'ensemble de ce conseil municipal, et je vous en remercie encore une fois. Et mes pensées vont tout d'abord à l'ensemble des habitants de cette commune qui se sont déplacés à peine un sur deux pour cette élection municipale. Ça, j'en ai tout à fait confiance, et nous en avons tout à fait conscience. Nous avons conscience aussi que cette élection s'est faite telle qu'on a pu le vivre durant ces quelques semaines, et qu'elle est faite également avec un partage. On voit bien qu'il y a ici une représentativité concrète, réelle, de ce que les habitants de cette commune ont souhaité, à la fois pour notre liste Muréreignan en Acte, mais aussi pour la liste Au Cœur et la liste Ensemble. Donc tout cela, bien évidemment, nous allons dans notre travail municipal le prendre en compte d'une manière très forte. Et même si nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir porter nos idées, je rappelle les trois piliers effectivement qui nous ont portés là, la transition écologique, la solidarité, la démocratie participative. Je pense que ce soir, la démocratie participative a commencé son ouvrage et j'en suis effectivement très heureux. Et je pense que tous ensemble, nous allons réussir à porter cette commune, à porter nos convictions et puis surtout être au service des habitantes et des habitants, puisque c'est notre rôle à nous. Damien Coiffard l'a rappelé tout à l'heure. On n'est pas élu pour soi. Je pense que ce soir, c'est l'humilité qui doit d'abord présider à notre action. Et puis, dans cette humilité, c'est le partage et c'est de faire avancer nos convictions. Tous ensemble, si j'osais un bon mot, je dirais que nous allons être amenés à porter ensemble, au cœur de Muréreignan, des actes. Donc j'espère que tout cela. Voilà, ce que je souhaite également, c'est que ce mandat de 4 ans qui s'ouvre soit un mandat apaisé, un mandat constructif, un mandat qui, encore une fois, soit au service des habitants. Nous sommes un service public, nous sommes au service du public, et donc je souhaite que tous ensemble, nous arrivions à travailler dans cet esprit de bienveillance et d'apaisement. Merci, et donc nous allons poursuivre ce conseil municipal. Alors, donc, nous allons procéder maintenant à l'élection des adjoints. Je rappelle que, en application des articles L2122-1 et L2122-2 du CGCT, je vais y arriver, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum de 30% de l'effectif légal du conseil municipal, à savoir 9 adjoints au maximum. Je propose ce soir de fixer le nombre d'adjoints à 8.
Nous avons donc, vous avez chacune et chacun une liste d'adjoints. Je me renseigne d'abord de savoir s'il y a, je vais procéder à la lecture de cette liste, mais bien évidemment, s'il y a d'autres candidats, n'hésitez pas à vous manifester. La liste d'adjoints que nous proposons au vote, c'est la suivante. Première adjointe, Christelle Cailleux. Deuxième adjoint, Laurent Quévaux. Troisième adjointe, Karine Poulalion. Quatrième adjoint, Philippe Martin. Cinquième adjointe, Caroline Legrand. Sixième adjoint, Franck Coquereau. Septième adjointe, Claire Gasnier. Et huitième adjoint, Xavier Langade. Voici donc la liste, et je vais donc appeler maintenant les conseillers municipaux. Alors, je ne sais pas s'il faut refaire lecture de chaque conseiller, Madame la Directrice Générale. On va peut-être, si vous en êtes tous d'accord, on va procéder au vote. On va commencer par vous, si vous voulez bien. Et puis, alors, on peut passer devant vous avec l'urne. C'est comme... on va peut-être faire ça. Alors, c'est ce que vous voulez bien, Madame Messager faire la porteuse d'urne. Nous conserverons donc les deux assesseurs, Fabrice Berland et Anne-Noël Rousselot-Cassan. Unanimité. Eh bien, merci à toutes et à tous. Donc, les 8 adjoints sont élus à l'unanimité du Conseil. Merci à toutes et à tous. Donc les 8 adjoints sont désormais élus ce soir. Les délégations leur seront données ultérieurement. Donc ça fera l'objet d'une annonce au conseil municipal
du mois de février, me semble-t-il, non, du mois de février, au prochain. Voilà, il y en aura d'autres. Je vais maintenant continuer en vous donnant lecture de la charte de l'élu local. Chaque conseiller a reçu la charte par mail avec la convocation du conseil municipal, donc il n'y a pas de surprise. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais juste à toutes fins utiles, je m'adresse également au public ici présent ce soir. Le conseil municipal de ce soir est retransmis en direct sur le site de la ville de Muret-Rignier sur le Facebook, me semble-t-il. La charte de l'élu local. Premier point. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Et j'ai bien peur que ce soit la fin. Voilà, donc je pense que tout le monde est d'accord avec cette charte. S'il y a conflit d'intérêt, n'hésitez pas à la signaler. Voilà, mais j'ai l'impression que ça n'est le cas pour personne. Donc, il me revient désormais de clore ce premier conseil municipal en vous remerciant. Je continue de vous remercier toutes et tous. Et puis, je propose maintenant que le conseil municipal est clos de laisser la parole à qui voudrait la prendre. Madame Favry, est-ce que vous voulez le micro comme ça ou comme ça? Merci, monsieur le maire. Félicitations. Merci. À vous, à votre équipe. Alors, juste un petit mot par rapport donc à cette nouvelle élection. Nous venons d'élire un nouveau maire dont la liste a été portée par le suffrage des Érignois. Le groupe Ensemble pour Muret-Rignier se joint au choix de la population et souhaite à la nouvelle municipalité de pouvoir honorer ses engagements de campagne. Les quatre élus de notre liste Ensemble vont participer activement au travail des commissions, vont siéger au conseil municipal, dans un esprit d'ouverture et de renouveau. C'est pourquoi Maryse Pasquier et moi-même céderons notre siège afin de donner la possibilité à de jeunes élus d'apprendre le fonctionnement de la collectivité et d'approfondir les dossiers municipaux. Nous avons choisi de transmettre nos compétences et notre expérience à une équipe rajeunie. Nous serons dans l'accompagnement, le soutien au sein de notre association Ensemble pour une nouvelle génération d'élus. Le groupe Ensemble gardera toutefois toute vigilance sur les dossiers finances communales, car la situation d'endettement de la commune est toujours préoccupante, et le groupe Ensemble participera également au maintien des valeurs de respect et d'écoute qui lui sont chères dans toute l'élaboration des projets municipaux pour Muret-Rignier et ses habitants. Voilà. Merci, monsieur le maire. Merci à tous.
Eh bien, merci beaucoup, Madame Favry. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Personne ne veut prendre la parole. Donc, ce que je vous propose, c'est, malgré le contexte sanitaire, mais dans un cadre qui nous y autorise, de partager ensemble un verre de l'amitié dans des conditions un peu particulières, puisque nous ne bougerons pas de nos sièges, et que les breuvages arriveront jusqu'à nous. Voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, je propose que nous partagions ce verre de l'amitié, puisque c'est bien cela que nous allons construire ensemble pour notre belle ville de Muret-Rigné. Alors, qui est le... Je ne sais pas qui est chargé de l'apport des verres. Nicole. Personne de votre côté. Ah, ça fait, c'est cool. Alors, tant qu'on n'a pas, si on respecte le cadre légal, hein, tant qu'on n'a pas un verre